BioHebs Cacao. C'est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous allons parler des questions sécuritaires, droits de l'homme aussi au cœur de du sujet d'aujourd'hui, mais aussi la grande question sur les libertés fondamentales, on en parlera, la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, je reçois un invité de tout le temps d'ailleurs, il faut le dire, il a été au début de l'émission et non seulement ça, mais dans la lutte, il a toujours été là. Et nous le recevons aujourd'hui, Maître Jean-Claude Katende, qui est président de la ZADO, vient d'être élu au 41e congrès de la Fédération internationale pour les droits humains tenu à Paris du 24 au 27 octobre 2022. Il est vice-président de cette organisation. Comment allez-vous, maître? Je vais très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que maintenant vous êtes à la fois président de la ZADO, avocat, défenseur de droits des opprimés, et aujourd'hui, vice-président de cette grande structure. D'abord, elle vise à quoi, cette structure? La FIDH, la Fédération internationale des droits humains, c'est une organisation des droits français qui a été créée en 1922 avec un objectif précis qui est celui de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme à travers le monde. Donc ça, c'est le mandat principal de la FIDH. Et elle s'occupe de tous les aspects des droits humains à travers le monde, mais sans oublier que la FIDH s'occupe aussi de toutes les questions liées à la démocratie. La question des élections, la question des droits de l'homme principalement, des libertés publiques aussi. Et à ce jour, la FIDH a au moins 197, 197 pour ceux qui veulent bien, organisation nationale affiliée à la FIDH à travers une centaine de pays. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui vous occupez cette place, alors je vous provoque un peu, mais je crois que c'est dans la même logique. Est-ce que vous n'êtes pas finalement un Mukwege de droits humains? Est-ce que vous n'êtes pas, comme les gens disent, ces bras des Occidentaux qui veulent que vous puissiez leur dire ce qui ne va pas chez nous, alors que vous êtes incapable de dire ce qui ne va pas chez eux? Est-ce que vous n'êtes pas le Mukwege de droits de l'homme aujourd'hui? Bon, je ne pense pas. Ce qui est vrai, et c'est qu'on pourrait nous trouver comme un aspect commun, c'est le fait que chacun de nous a travaillé dans le domaine qu'il a choisi. Le docteur Mukwege, c'est un médecin. Moi, je suis avocat et en même temps défenseur de droits de l'homme. Et le point commun, c'est le fait que notre travail peut être méprisé au niveau national et reconnu au niveau international. C'est une reconnaissance du travail que nous faisons au quotidien qui démontre, surtout pour le cas qui me concerne, nous avons eu une double élection. Vous êtes d'abord choisi par le continent dont vous êtes ressortissant, ici, c'est l'Afrique. Et après, votre candidature est soumise au vote de toutes les organisations, c'est-à-dire au vote mondial. Et là aussi, il faut que vos pairs puissent reconnaître votre travail et vous élire comme cela a été fait pour moi hier.
Donc, ça c'est les plus importants. Mais est-ce que nous sommes le bras de l'Occident pour fournir des informations qui concernent la République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Avec les développements aujourd'hui des réseaux sociaux, chacun dans le coin de son pays où il se trouve, il est capable de diffuser des informations qui doivent faire en principe l'objet des vérifications. Mais quand c'est Maître Katende qui le dit ou qui le poste, ça a plus de considération qu'un citoyen lambda qui le publie sur son compte. Vous avez une notoriété. Oui, mais il faut toujours savoir que j'ai commencé comme tout le monde. Oui. Les Jean-Claude d'aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'étais quand je venais de commencer la participation au combat pour les droits de l'homme en 1996. Ce n'est pas la même personne. Il a fallu travailler dur, rester constant, montrer qu'on aime plus les droits de l'homme qu'autre chose pour en arriver là. Ça veut dire en d'autres termes aussi que les citoyens qui sont dans leur coin, qui diffusent des informations, les gens vont le vérifier au fur et à mesure. Quand les informations que vous divisez s'avèrent vraies, la conséquence est que les gens vont vous faire de plus en plus confiance. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que les gens voient seulement que les organisations comme la FIDH sont en fait le bras des Occidentaux pour avoir un certain accès à nos pays. Mais ils oublient que ces organisations ont fait aussi un travail très important pour que nous arrivions, par exemple, à l'alternance politique dans le cadre de la gouvernance, que nous puissions arriver au respect, par exemple, de la liberté d'expression. Les gens ne voient pas ça. Ce qui est malheureux, c'est comme dernièrement, j'ai entendu un homme politique connu ici dire que l'Azado, c'est une organisation des impérialistes. Mais quand les mêmes responsables politiques étaient dans l'opposition, travaillaient avec l'Azado. Et aujourd'hui, parce que l'Azado est de temps en temps ferme à l'égard du pouvoir en place, on estime que c'est une organisation des impérialistes. Mais ça ne change pas le fait que l'organisation soit à celle des Occidentaux ou des impérialistes. C'est pas parce que eux qui étaient à l'opposition, on se servait de vous, comme aujourd'hui on se sert encore d'autres structures. Le même docteur Moukou qui fait la même chose, quand il était dans l'opposition, c'était un docteur formidable. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes avec qui le docteur Moukou qui était à l'opposition voient en lui un candidat redoutable, voient en lui plutôt une marionnette des Occidentaux. Est-ce que vous n'êtes pas aussi vu de cette façon-là? Bon, vous savez, c'est une perspective pour moi qui est erronée. Parce que c'est une perception qui arrive quand les gens ne travaillent pas sur base des valeurs. Vous voyez, si vous avez des valeurs communes, que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité, vous pouvez vous dire que ça, c'est une valeur qu'il faut défendre. C'est notamment la liberté d'expression. C'est une valeur qui ne concerne pas la majorité, qui ne concerne pas l'opposition. En fait, c'est une valeur qui a été reconnue dans notre Constitution pour permettre de s'exprimer sur des questions des sociétés, des questions qui concernent tout le monde. Donc, en tant que valeur, que je sois dans l'opposition ou dans la majorité, je ne peux pas percevoir cette valeur de manière différente. Et le problème dans notre pays, c'est que les gens changent des valeurs en fonction de leurs intérêts personnels. Mais il y a des valeurs qu'elles sont des valeurs nationales, des valeurs qui sont irremplaçables et que la société doit pouvoir saisir. On vous accuse, par exemple, de réserver, souvent, vous, les organisations des droits de l'homme, de réserver la primeur de vos rapports aux officines internationales, que de les réserver au gouvernement ou faire des recommandations au gouvernement. Est-ce que vous pensez que ce n'est vraiment pas ça qui, finalement, encourage ou milite dans le sens de dire que vous êtes des impérialistes? Vous savez, d'abord, il y a la question des financements. On dit toujours, vous êtes financé par les étrangers et donc vous travaillez pour les étrangers. Bien sûr. Acceptons-le. Maintenant, voyons la chose autrement. Entre les ONG et nos gouvernements, qui sont financés plus par les Occidentaux? Ce sont nos gouvernements. Donc, en allant avec la même logique,
nous pouvons dire que notre gouvernement, c'est un gouvernement des impérialistes, parce qu'il reçoit plus d'argent. De deux, le fait de croire que nous sommes des marionnettes, c'est nier même que nous ayons une personnalité. Ça veut dire, en d'autres termes, que nous pouvons être contre nos propres États pour servir les étrangers. Mais il n'y a pas d'effet palpable qui puisse asseoir pareille thèse si elle n'est pas faite seulement pour la consommation de certains milieux pour démontrer que le travail que nous faisons n'est pas appréciable. Mais il faut vous dire une chose, c'est que les mêmes personnes qui sont au pouvoir, qui nous font des reproches les jours où elles ne sont pas au pouvoir et qu'elles ont des problèmes avec les nouveaux pouvoirs, viennent dans les mêmes organisations impérialistes. Alors, comment ça, faire pour arrêter? Ça ne se comprend pas. Mais je vais ajouter pour dire que ça, c'est sur le plan financier. Maintenant, sur le plan du travail, vous avez déjà entendu, depuis que nous avons le gouvernement Tshisekedi, que le ministre des Droits humains, par exemple, a réuni les organisations de droits humains pour discuter avec eux de la situation avec elles, de la situation des droits de l'homme au Congo. Ça ne s'est jamais fait. Cela démontre à suffisance que la question des droits de l'homme, ce n'est pas une préoccupation pour les ministres, encore moins pour le gouvernement. Parce que c'est dans ce cadre-là où nous pouvons dire, c'est vrai, nous faisons notre travail de terrain, nous avons des rapports et il faut qu'on se convienne que quand nous produisons ce rapport, nous les mettons à la disposition des autorités, qu'on ait un cadre pour discuter de la mise en œuvre des recommandations. Ils ne vous ont jamais invité? Jamais. Depuis que le pouvoir de... Depuis l'alternance? Jamais. Ni le président de la République, encore moins son ministre des Droits humains. Et le ministre de la Justice non plus? Non plus. Le Premier ministre non plus? Non plus. Si je comprends bien, l'ASADO et toutes les autres organisations de droits de l'homme n'ont jamais été invitées. Non. Okay. Pour avoir un entretien, pour faire passer nos préoccupations, cela n'a jamais eu lieu. Alors, quelques organisations ont été reçues dans le cadre des consultations que le président de la République avait lancées, mais c'était plus politique. Nous avons besoin des échanges techniques, voyez-vous. Mais aujourd'hui, comme je le disais encore avec les réseaux sociaux, on se demande la primaire d'une information est destinée à qui? Parce que plusieurs personnes peuvent recevoir la même information à la minute. Et donc, nous aurions souhaité, comme on le voit dans d'autres pays, aujourd'hui nous avons une situation préoccupante des droits de l'homme à l'est de notre pays. Nous aurions souhaité que le ministre, par exemple, des droits humains, prenne des organisations ou sélectionne quelques organisations de droits de l'homme, les amène là-bas pour voir la situation ensemble et établir un rapport. Oui, mais comment vous expliquez, Maître Katende, que le président de la République qui a prôné l'état des droits n'appelle pas les organisations qui se battent pour finalement créer un véritable pilier de ce même état de droit? Comment vous expliquez cette chose? Je ne peux pas répondre à la place du président Tshisekedi, mais à mon point de vue, c'est une question de priorité. Vous pensez est-ce que la question des droits de l'homme est une priorité pour le président Tshisekedi? J'ai des doutes. Comment ça? Vous avez dit tout à l'heure qu'il a humanisé, la NR, il a dit qu'il n'y aurait plus de cachot de la NR, il a dit qu'il n'y aura pas de journalistes, des journalistes arrêtés pour avoir fait leur travail, et qu'aujourd'hui on ne compte pas des morts des journalistes, on ne compte pas des arrestations de journalistes pour le travail qu'ils ont fait, nous n'en comptons pas, sauf si vous en avez des éléments. Comment vous comparez ces deux choses? Comment vous comprenez ces deux choses? D'abord, il est important de souligner que à l'entrée du président Tshisekedi, dans ses fonctions de président de la République, il y a eu de bonnes décisions qui ont été prises, que nous-mêmes nous avons félicitées, notamment en matière de liberté d'expression, de liberté de manifester pacifiquement, comme aussi d'autres questions, notamment celles que vous avez soulignées concernant l'ANR. Mais quand vous faites maintenant l'évaluation 4 ans après, la situation s'est dégradée. Aujourd'hui, l'ANR s'est encore montrée comme étant une institution qui s'occupe plus des opposants politiques, des journalistes, des acteurs de la société civile, que de la sécurité, n'est-ce pas, du pays. Est-ce que vous vous rendez compte que Bounagana a été prise, cette cité,
sans que l'ANR n'ait fourni aucune information sérieuse. À qui elle devait fournir l'information? Mais l'ANR dépend du président de la République. Mais peut-être qu'elle a fait ça, vous n'êtes pas au courant tout simplement. Ah bon? Donc si nous ne sommes pas au courant, c'est que vous voulez me dire que le président de la République a négligé l'information. Donc nous, notre problème, c'est qu'il faut qu'à ce niveau-là, que l'information soit fournie à celui qui doit pouvoir prendre la décision. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des centaines de Congolais qui sont pris en étau par les M23 à cause du fait que soit l'information n'avait pas été fournie, soit que l'information a été fournie et qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires pour pouvoir prendre l'action qui puisse protéger le peuple congolais. Alors, on va parler du côté sécuritaire, mais revenons sur la question de droit de l'homme. Je voudrais revenir sur le monitoring que vous faites très souvent, d'ailleurs. Comme je le disais dans une des émissions, vous êtes mieux connu dans les cachots, dans les prisons que dans les autres maisons. Mais parlons-en. Aujourd'hui, quel est l'état de droit de l'homme au Congo? Est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui de l'avancement ou de certaines avancées de questions de droit de l'homme par rapport à 10 ans passés, 15 ans, 20 ans passés? Il est clair que la situation de droit de l'homme que nous avons vécue sous l'administration du président Kabila n'a rien à comparer avec ce que nous vivons sous le président Tshisekedi. Et là aussi, avec le président Tshisekedi, ce n'est pas toujours facile de faire l'évaluation sur le plan global. Il est question de prendre chaque droit pour voir si on est en avance ou si on est en recul. Faisons ce petit exercice, mais de façon globale, comment vous évaluez? Globalement, c'est ce que je disais, okay, que même au niveau des Nations Unies, à un moment donné, on a dit que sous les régimes de Kabila, les droits de l'homme étaient violés à ciel ouvert. Okay. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que les droits de l'homme ne se commettent pas, parce que les violations de droits de l'homme sont commises partout au monde. Mais ce qu'il faut analyser, c'est l'attitude des autorités. Quand, par exemple, dans une manifestation pacifique, un policier ou un militaire tire sur un citoyen, il n'est pas congratulé comme à l'époque du président Kabila. Il est condamné et mis à la disposition de la justice. Cette réaction des autorités, c'est déjà une avancée, parce qu'il faut permettre à la justice de fonctionner normalement, même si elle fonctionne mal, comme le président lui-même l'a dit, et je le confirme parce que je travaille dans ce milieu-là, oui, que la justice ne fonctionne pas bien. Mais maintenant, quand vous prenez, par exemple, la liberté de manifester pacifiquement, vous allez bien vous rendre compte que nous sommes en recul par rapport au début du mandat du président Tshisekedi. Ah, d'accord. Dans ce sens que, je peux vous dire, il y a des villes en République démocratique du Congo, pendant au moins 4 ans, ils n'ont jamais organisé des manifestations pacifiques, comme à Kolwezi. Parce qu'on refuse. Non, le maire a pris seulement un arrêté interdisant les manifestations pacifiques. Quelle violation des droits de l'homme! Parce que la liberté de manifester, c'est une liberté reconnue par la Constitution. Et que la Constitution, qui est une loi, est la loi fondamentale d'un pays. Et que un maire d'une ville décide tout simplement, pas de suspendre, mais d'interdire de manière définitive les manifestations. Là, c'est le maire de quelle ville? La ville de Kolwezi. Kolwezi, c'est encore qui gouverne? Dans les lois là-bas. C'est qui gère le Kolwezi? Je ne connais pas le nom du maire. Mais non, le gouverneur. C'est... Le gouverneur, c'est Madame Fifina Souka. Ah, encore elle. Voilà. Ça ne se fait pas. Et quand vous prenez les autres provinces, les manifestations pacifiques sont acceptées à la tête du demandeur. Si vous êtes de l'Union Sacrée, c'est possible. Si vous n'êtes pas de l'Union Sacrée, vous êtes vilipendé. Vous avez suivi la dernière manifestation des médecins. Les médecins qui nous soignent, les médecins qui n'ont pas pour objectif de prendre le pouvoir, parce qu'ils ne sont pas dans la compétition pour le pouvoir, ils ont fait cette manifestation uniquement pour défendre leurs droits. Droit à avoir une prime, droit à avoir un salaire décent. Constitutionnel aussi, d'ailleurs. Constitutionnel aussi. Parce qu'en République démocratique du Congo, le travail est à la fois un droit, mais aussi une obligation. Mais maintenant,
ces médecins-là, qui n'ont marché que pacifiquement, ont été gazés par les policiers. Là, c'est à Kin aussi. Ici, à Kinshasa. À Kinshasa, ils ont été tabassés. On a même vu des médecins tabassés, violentés. Pour seulement avoir exercé leurs droits. Et c'est sous la présidence du président Tshisekedi, dont le parti s'est battu pour que les manifestations pacifiques soient organisées. Et quand vous allez dans la liberté d'expression, vous allez voir qu'il y a des choses que je qualifie, moi, d'inadmissibles. D'inadmissibles pourquoi? Vous allez voir qu'il y a des gens qui font des écarts, j'appelle ça, moi, écart de langage. Quand ils sont de l'opposition, ils sont arrêtés, ou quand ce sont des journalistes proches de l'opposition, ils sont directement arrêtés. Mais le même langage est tenu, soit par les militants des partis politiques de l'Union sacrée, ou par les journalistes proches de l'Union sacrée, il n'y a pas de justice. Je ne parle pas ici du droit, je parle de la justice. Parce que la justice tient compte de l'équité. Est-ce que les gens sont traités de la même manière? La justice, pas en tant qu'institution, mais la justice en tant que valeur. Est-ce que tous les citoyens congolais sont traités de la même manière? Et donc vous pensez que de ce côté-là, il y a une certaine injustice? Notoire. Notoire. Que certaines personnes proches de l'Union sacrée sont, en tout cas... Ils sont immunisés, mais alors que d'autres sont arrêtés. Mais sur le plan de droit, sur le plan de violation de droits de l'homme, par exemple aujourd'hui, est-ce que vous dites si bien, si j'ai bien compris, le moment actuel est légèrement mieux que le moment des Kabila, mais le même moment actuel est légèrement mauvais par rapport au début. Donc au début, ça avait quand même une certaine connotation et aujourd'hui, on se perd finalement. Alors, Maître Katende, qui nous perd dans ça? Est-ce la largesse du pouvoir du président de la République? Est-ce l'orgueil, l'arrogance et la suffisance de certains animateurs qui, en même temps, contribuent aussi au laxisme de ces autorités? Où se situe le vrai problème? Le vrai problème se situe à plusieurs niveaux. Ouais. Mais le niveau le plus important pour moi, c'est la justice. Ouais. Parce qu'en fait, la gardienne des libertés publiques, c'est les cours et tribunaux. Ouais. Qui doivent pouvoir agir. Et nos cours et tribunaux sont dotés de l'indépendance. Les cours et tribunaux, comme les parquets aussi, ont un certain pouvoir. Et ce pouvoir doit être exercé de manière impartiale. Mais vous allez voir que même la justice elle-même est laxiste quand il s'agit des personnes proches au pouvoir actuel qu'à d'autres. Donc, l'institution qu'il faut beaucoup condamner, c'est justice. L'institution justice. Que dites-vous de ce propos alors? Le procureur général, aussitôt au pouvoir, il dit qu'il veut renforcer, l'infraction de l'offense au chef de l'État. Cette infraction, déjà offense ou outrage au chef de l'État, a déjà été beaucoup de fois combattue. Je crois même lui-même, le président Tshisekedi, quand il était encore dans l'opposition, il combattait cette infraction, disant que ça n'avait rien à voir dans une démocratie, outrage, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le procureur dit non, en tout cas, il faut qu'on maximise encore la peine, qu'on renforce cette question. Georges Kapiamba s'est senti vexé sur la question. Beaucoup de, je crois, des leaders d'opinion en ont parlé. Vous, Maître Katende, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce des propos que l'on peut considérer comme des propos respectables venant d'une autorité judiciaire comme ça, ou vous estimez qu'on était là en face de celui qui veut faire plaisir au président de la République? Non, mais si je dois vous dire sincèrement, je m'étais rendu compte qu'on avait en face de nous pas un procureur, mais un propagandiste. Pour la simple raison que aujourd'hui, est-ce que cette question, c'est une priorité pour les Congolais? Et même pour l'appareil judiciaire. Oui, est-ce que c'est une priorité pour les Congolais? Nous aurions souhaité, parce que ces propos sont tenus au lendemain du discours du président de la République condamnant la justice. Ouais. Nous aurions voulu que ce travail, cette intervention du procureur se circonscrive autour de questions de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour redorer la justice. Et que ça ait été un moment où le procureur général engage les parquets près de la Cour de cassation comme étant un parquet supérieur dans la restauration de la justice. Mais il a trouvé mieux d'être partisan que de dire des choses qui intéresseraient les Congolais. Parce que d'abord, cette infraction,
elle n'a pas sa place dans la démocratie. Même en France, ça existe, cette infraction. Vous n'allez pas quand même laisser le chef de l'État être insulté par tout le monde. Tout le monde peut pas dire ce qu'il veut sur le chef de l'État. D'abord, vous savez que la question d'insulte, c'est d'abord une question d'éducation. Et vous savez que même à l'époque où les gens se permettaient d'insulter le président Kabila, je ne l'ai jamais osé. Oui, je ne l'ai jamais osé. Parce que j'estime que c'est révélé comment mes parents ont pris soin de moi en tant qu'enfant et aujourd'hui en tant qu'adulte. Je dois refléter ce parcours d'avoir été éduqué par des gens responsables, d'avoir été tiré aux oreilles pour ne pas porter des injures contre quelqu'un d'autre, de respecter la dignité des gens, même si ces gens se trouvent en erreur. C'est très important. Mais beaucoup l'ont fait. Ont insulté le président Kabila à la longueur de journée, démontrant qu'ils n'ont pas été pris en charge de manière conséquente sur le plan éducationnel. Mais maintenant, pour ce qui concerne le président de la République, vous le savez mieux que moi, que l'injure peut être prise en charge par l'infraction d'injure publique. Donc, cette infraction, elle est déjà couverte. Maintenant, quand nous allons vers les imputations dommageables, vous le savez comme moi, que cette infraction doit être révisée pour la simple raison que nous sommes maintenant dans une situation où chacun de nous doit contribuer à la lutte contre la corruption, à la lutte contre les antivaleurs de manière générale. Et donc, on ne peut pas considérer que la vérité que j'ai dit contre M. Bossembe, qui est vraie, on a par exemple que M. Bossembe a détourné de l'argent de l'État, les preuves sont là. On ne peut pas me poursuivre pour ça, parce que j'aide l'État. Mais dans le cas de l'infraction d'imputation dommageable, que tu aies dit la vérité ou pas, si cette vérité porte atteinte... C'est la diffamation aussi, d'ailleurs. Oui. Même pour la diffamation, c'est bizarrement la même chose. Exactement. Que j'ai raison ou tort, oui. On m'arrête quand même. Oui. Or, dans d'autres pays, on a déjà dépassé cette étape. On est dans une étape où les ne peuvent être prises en considération que des propos mensongers. Mensongers, je voulais dire. Des propos mensongers ou des déclarations mensongères. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Non, quand vous regardez tout ça, vous dites que... Mais que font nos députés? Parce qu'en principe, ils devaient réviser toutes ces choses. Pour qu'on avance, parce que même vous... Est-ce qu'ils travaillent pour la nation? Vous pensez qu'ils ne travaillent pas pour la nation? Ils ne travaillent pas pour la nation. Ils travaillent pour eux-mêmes. Parce qu'il y a des questions comme celle-ci. Ça, ce sont des questions pour mettre la société au niveau où il faut. Même à l'abri de beaucoup d'abus. Et exactement. Maintenant, quand les procureurs se focalisent sur cette infraction, nous aurions souhaité qu'ils parlent d'augmenter la peine pour la corruption, pour le détournement des deniers publics. Oui. Là, nous aurions compris que pour vraiment... Pour le viol, tout ça. Oui, viol par exemple. Nous aurions compris que vraiment les procureurs travaillent pour la nation. Et là, nous avons compris qu'il se mettait, lui, en tant que représentant d'un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif, il se mettait au... Mais il a dit aussi, il a dit par exemple qu'il n'était pas d'accord avec le fait d'arrêter tout le monde à tout moment. Il a dit qu'il ne faut arrêter que lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité et lorsque seulement la fuite est à craindre ou l'identité est douteuse. Mais il s'est étonné du fait que pour un petit rien, un mandat d'arrêt, pour un petit rien, on confrait les gens, ainsi de suite. Est-ce que c'est à cette hauteur qu'on pouvait tenir des propos comme ça? Non, c'est totalement irresponsable. Totalement. Et je le dis sans réserve, c'est totalement irresponsable. Parce que qui décerne les mandats? Oui. C'est lui qui décerne et sous le pouvoir de qui? Oui. C'est celui qui a le pouvoir de sanctionner, c'est lui qui est en train de décerner les mandats à tout coup de vent, qui s'est plaint. Et il s'est plaint dans une réunion publique. Vous vous rendez compte? Il aurait pu nous dire que depuis que moi je suis là, j'avais constaté que les mandats étaient décernés de manière fantaisiste. Voici les décisions que j'ai prises, voici le nombre de personnes que j'ai pu sanctionner, voici les gens que j'ai mis, par exemple, à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature pour ce genre de choses. Pas du tout. Mais pour revenir à votre question, un autre niveau, c'est le niveau administratif.
vous allez voir que les droits de l'homme sont violés sans que l'autorité administrative ne prenne une décision. Oui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les services publics, il y a des gens qui sont renvoyés avec interdiction de mettre les pieds dans les bureaux sans aucun écrit. Sans notification. Sans notification. Oui, ça, c'est vrai. Sans notification. Et c'est monnaie courante dans toutes les institutions ici. Un directeur adjoint, maître, m'a fait comprendre que son DG avait instruit qu'il n'entre pas au bureau. Alors là, il s'agit d'un directeur général qui sanctionne le DGA sans que le ministre ne soit informé. Et le ministre, le DGA, ne peut pas entrer au bureau. Alors je me pose la question, dans quel état on vit? Et maintenant, quand vous êtes sanctionné de cette façon-là, sans aucun document, vous ne pouvez même pas faire une réclamation. Parce qu'il y a certaines institutions, comme par exemple le Conseil d'État, qui ne fonctionnent que quand il y a une décision formelle. Mais vous n'avez pas cette décision. Vous attaquez cet acte. Ouais. Comment? Vous voyez? Et ça, c'est fréquent dans nos services ici. Et les gens nous saisissent à ce propos avec des cas vraiment en nombre qui augmentent chaque jour. Alors. Mais non, une autre question, c'est au niveau de nous, les citoyens. C'est nous, les citoyens. Nous devons savoir, M. Christian, que la constitution de la République démocratique du Congo est claire. La justice est rendue au nom du peuple congolais. Ça veut dire, en d'autres termes, que les décisions judiciaires qui sont prises en notre nom, même les décisions iniques. Mais l'autre face de cette question, c'est que si vous prenez des décisions à mon nom, je suis capable de dire ce que j'en pense. Parce que quand même, quelque part, vous décidez à mon nom, à ma place, je dois dire. Donc les citoyens doivent être capables de non seulement dénoncer les autorités véreuses, les magistrats et les juges véreux, mais être attentifs aux décisions qui sont rendues. Alors, allez-y. Prenez le cas du site de Sokopao, où on a déguerpi les gens comme si c'était des malfaiteurs. On a cassé des maisons par le gouverneur et les vice-gouverneurs. Mais est-ce qu'on a sanctionné une seule autorité qui avait pris la décision de lotir ces lieux? Les conservateurs, pour la plupart des cas. Les conservateurs, mais il y a aussi les autres autorités qui interviennent dans la question. Est-ce qu'on a sanctionné une seule personne? Les gens ont perdu leur maison dans lesquels ils ont investi pendant des années. Parfois toute leur vie. Oui. Il y en a qui ont des AVC, qui font des AVC. Ah oui, bien sûr. Il y en a qui sont malades. Oui. Alors qu'il y a la baie d'Engaliema qui est dans les mêmes conditions, mais la baie d'Engaliema, on n'en parle pas. Personne ne veut même piper mot sur la question. Donc, vous voyez, les citoyens sont sanctionnés, mais les autorités qui leur ont donné ces lieux-là ne sont pas du tout sanctionnés. Est-ce que c'est juste? Mais comment vous expliquez, Maître Katen, avant de finir la brèche de la justice, comment vous expliquez le fait que les conservateurs, ça veut dire l'État congolais, vendent des terres en disant qu'on vend des terres et les gens ne vont pas acheter ça en catimini? Ils achètent avec le sceau de la République. Et une année après, le même État revient pour traiter ces gens-là qui vont acheter de façon contraire à la loi, et on le déguerpit parfois sans indemnité. Sommes-nous en train de vivre l'abus? Est-ce que c'est l'arbitraire? Comment vous expliquez ça? Non, mais vous avez trouvé le bon mot. L'abus, pour moi, ça ne pèse pas beaucoup. C'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire parce que quand vous regardez la configuration de la ville, nous nous plaignons des inondations. Oui. Il y a des autorités qui ont loti même les lits des rivières. Exact. Il y a même des maisons qui sont construites sur des caniveaux. Oui. Mais ces maisons sont construites avec toutes les autorisations possibles. Vous vous rendez compte? Oui. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que ceux qui font les documents, il est prévu des enquêtes de terrain, ils empochent l'argent, mais ils ne font pas des enquêtes et ils donnent des documents. Est-ce que l'État sérieux doit se comporter de cette façon-là? Vous sanctionnez les citoyens qui ont obtenu tous les documents nécessaires pour construire en un lieu donné et que le jour où vous constatez que c'est un lieu qui n'était pas approprié pour ces genres de construction, vous les délogez,
Mais ceux qui sont intervenus pour lui octroyer ces lieux-là ne sont pas du tout sanctionnés. Personne n'est sanctionné. Ça s'appelle tout simplement de l'arbitraire. Oui. Et nous avons là affaire à un État qui est contre le peuple. Alors, est-ce que... Bon, je ne suis pas architecte, mais je ne connais pas non plus comment ça se passe. Mais on nous apprend que le palais du peuple, je crois qu'il y a une construction de l'État juste en face, on dit qu'ils ont construit sur des égouts, sur le carrefour, on va dire, de tous les égouts de Kinshasa, autrefois faits par Mobutu et les Belges. Et que à la longue, dans les 25 prochaines années, dans les 20 prochaines années, eh bien, on aura des problèmes là-bas. On aura des problèmes puisqu'on a construit sur des caniveaux, soit on a construit sur des égouts et ainsi de suite. Mais c'est, pour moi, c'est un acte qui révèle des traces de corruption. Comment un tel endroit peut être l'outil? Ouais. Vous savez, des fois, quand j'analyse ce qui se passe dans notre pays, je suis tenté de dire que le Belge aimait ce pays que nous-mêmes. Je comprends l'impression aussi. Hein? Que nous-mêmes. Parce que le Belge avait eu à faire des enquêtes et à lotir les lieux qui étaient lotissables et à considérer que, par exemple, les lits des rivières, à considérer que certains parcs où certaines forêts devraient rester pour la beauté de la ville ou pour éviter que les citoyens ne puissent se retrouver un jour ou un autre en difficulté. Quand vous allez par exemple au Katanga, vous allez voir qu'il y a une partie du Katanga qu'on appelait la ceinture verte. Cette ceinture verte, c'était un lieu où l'autorité belge avait décidé qu'on y ferait que des activités champêtres, l'agriculture. Oh. Alors que tous les Katanga est miné. Mais les Belges avaient estimé que, au-delà de mines, on a besoin de la vie aussi. On a besoin de la vie. Mais aujourd'hui, tout a été vendu. Ben, c'est à Kinshasa aussi, tous les terrains de football ont été quasiment vendus. Et on se plaint des couloirs, de la délinquance. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une ville où il n'y a pas de parc? Ouais. Là, toutes les autorités font tout pour que là où il y a des petites forêts en ville, qu'on puisse vendre ces lieux-là. Et eux-mêmes sont les premiers bénéficiaires. Très bien. Ça veut dire en d'autres termes que l'État n'existe pas. L'État a été privatisé. Comme un de mes professeurs disait, l'État a été mis en cendres et sur les cendres, on a construit des micro-États. Et ces micro-États sont des individus. Des individus qui se considèrent comme des institutions. Et ça, c'est inacceptable. Et les citoyens devraient s'élever contre ce genre de choses. Alors, nous avons parlé longuement sur la question de droits de l'homme, mais je ne pourrais pas terminer cette question de droits de l'homme sans poser la question de ceux qui vivent dans les services. Je veux dire, c'est ceux-là qui vivent en prison. Maître Katende, vous passez plus de temps en prison. Mais là aussi, il paraîtrait que la situation n'a pas beaucoup changé. À l'époque de Kabila, les prisons étaient remplies de gens. Pour la plupart des cas, qui n'avaient jamais été condamnés, qui n'avaient jamais vu des magistrats, qui étaient en dépassement de délai. Il y en a même qui avaient seulement volé. Mais après, ils sont restés 3 ans, 4 ans. Un peu plus que la peine même que de l'infraction, finalement. Aujourd'hui, Maître Katende, on vit la même situation. Makala, Bondé, Kindolo, rempli, Kassapa, ainsi de suite, Mandaka, la même chose, toutes ces prisons-là. Qu'est-ce qui manque au gouvernement pour prendre des résolutions importantes afin de libérer ceux qui ont fait la moitié de leur peine avec vivant sursis pour désengorger la prison, ou même faire passer véritablement les cas en justice pour que les gens connaissent exactement pour quelles raisons sont-ils là? Parce que là, on y met et les détenus et les prisonniers, on les met tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous avez dans chaque pays deux endroits qui peuvent vous révéler la considération que les autorités ont de la question des droits de l'homme. C'est la prison et les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux voir comment les soins sont administrés à nos frères et sœurs. C'est inimaginable. Totalement inimaginable. Et surtout quand vous allez dans les hôpitaux publics, les hôpitaux de l'État. Vous allez vous poser la question sur les humains. Si on a encore de l'humanisme. Ça n'existe pas dans les hôpitaux.
Le respect pour le malade n'existe pas. Le malade qui est respecté, c'est le malade qui a de l'argent. Alors, en ce moment-là, les patients sont devenus des clients. Exact. Ce ne sont plus des patients, mais des clients non, plutôt. Non, ce sont des clients, ouais. Des véritables clients. Mm. Et vous allez voir que un homme ou une femme qui a de l'argent, qui en donne un peu au corps médical, il peut être entouré par 3 ou 4 ouais. infirmiers. Il monopolise l'attention. Oui. En sorte que même le corps médical est mécontent quand il sort de la prison, ouais. De l'hôpital. Donc, vous voyez. Et juste à côté, il y a un qui est abandonné. Qui est totalement abandonné. Totalement abandonné. On ne porte aucune attention. Ce n'est pas possible. Et ça, ça montre dans quel niveau nous sommes arrivés. Maintenant, quand vous allez en prison, l'Azado a produit dernièrement un condensé de cas de décès en prison ici depuis. Le mois de mars, nous sommes arrivés à plus d'une centaine de personnes qui sont mortes. Attendez, maître, 100 personnes, plus de 100 personnes. Je dis plus de 100 personnes qui sont mortes uniquement dans la prison de Makalaï. Ce n'est pas possible. Plus de 100 personnes. Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Seulement. Seulement. Donc, mois de mars jusqu'au mois de septembre, nous avons fait le répertoire. Ça fait plus de 100 personnes qui sont décédées dans cette prison. En moins de 5 mois, se mourraient plus de 100 personnes. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais il faut dire qu'il y a eu, quand même, de la part de la ministre de la Justice, certains efforts qui ont été faits, notamment en ce qui concerne la prise en charge alimentaire des prisonniers. Des mesures ont été prises aussi pour désengorger nos prisons. Ah, ça, on a entendu ça depuis le début du mandat. Oui, ouais. Mais les efforts ne se sont pas maintenus. Exactement. On a entendu ça depuis le début du mandat. Exactement. On va désengorger, mais puis après, exactement. On ne désengorge pas. Et même quand on accorde la liberté à certains, on se rend compte que cette liberté, elle est monnayée. C'est toujours à ceux qui donnent un peu plus d'argent qui sont libérés. Exactement. Mm. Mais il faut aussi savoir que ce sont les parquets qui ne font pas aussi bien leur travail. Oui. Parce qu'en fait, toute personne arrêtée, c'est pour ça que vous voyez que le week-end, il y a beaucoup d'invitations de la part des magistrats. Oui. On t'invite au parquet les vendredis. À 14h. Oui, à 14h. Donc, tu es sûr que si tu n'as pas l'argent sur toi, tu ne vas pas sortir de là. Et donc, toutes ces personnes sont envoyées en prison. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin qu'on paye soit des amendes transactionnelles, oui. Qu'on monnaie la liberté provisoire. Et c'est sans preuve de paiement, maître. Non, mais il n'y a pas de preuve. Mais vous ne savez même pas aussi cet argent passe même pas par, par le canal de la DGRAT. Non. Comme c'est prescrit. Et donc, vous ne pouvez pas savoir cet argent, il est géré. Mais ils vous disent, maître, Foutakarambon, et vous donnez l'argent, c'est fini. Il prend le mettre dans la poche et il ne vous fait aucun document, rien du tout. Ce qui fait que la caution, elle est remboursable. Oui, bien sûr. Mais si on vous accorde la liberté provisoire et qu'à la fin, par exemple, les dossiers classés sans suite, vous revenez pour demander le remboursement de la caution. On vous coffre. On va vous demander, vous venez de quel monde? C'est-à-dire que vous, qui faites les choses conformément à la loi, on estime que vous êtes un revenant. Non, mais mettez-vous à la place de celui-là. Moi, on m'arrête. Tout ce que je veux, c'est la liberté. Alors, on vous donne la liberté. Je veux revenir, donner mon 500. Mais ça ne me passera pas à l'esprit parce qu'on risque de m'arrêter encore. Non, mais si le dossier a été classé, il est classé. Mais si nous ne prenons pas cette attitude de résistance, ils vont continuer à faire la même chose. Mais Azado, vous avez un travail énorme. Je crois que vous devrez sensibiliser les Congolais, moraliser les Congolais. Il faut aller en prison, surtout chez les parcs, chez les magistrats, voir les citoyens congolais, comment ils sont traités. Ça dit que les véhicules de Makala arrivent, mais c'est un scénario. Le procureur vous dit déjà, vous êtes dans des conditions, c'est donner l'argent, quoi. C'est même la torture. C'est une torture morale pour laquelle les magistrats doivent être poursuivis. Exact. Parce qu'on vous met dans les conditions. Ouais. Et ça, c'est très dangereux que les gens arrivent à considérer la justice comme un fonds de commerce. Ouais. On appelle ça Gécamine aujourd'hui. Oui, comme un fonds de commerce. C'est pour ça que vous avez vu au dernier test ici, même les avocats. Parce qu'en fait,
Ce qui est bien avec l'avocature, c'est une profession de compétition. Il faut qu'il y ait de la matière grise dans la tête pour qu'un client vienne chez toi. On a vu beaucoup d'avocats. Allez faire les tests pour aller dans la magistrature. Parce que là-bas, que tu sois intelligent ou pas, dès que tu es nommé, tu peux mapper quelqu'un. Oui, t'es procureur. Oui. Tu peux mapper quelqu'un et à la fin du mois, tu as ton salaire. Très bien. Est-ce que nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, il n'y a que les médiocres qui vont dans ce genre de travail, de profession? J'ai dit non. Et c'est pour ça que l'ASADO s'était tenu debout contre la manière dont les tests étaient organisés. Et nous avons eu même la menace de nous faire arrêter du Conseil supérieur de la magistrature. Mais je leur dis tout simplement que nous attendons le dimanche. Les résultats vont être publiés sur plus de 34 000 demandeurs. La fonction publique ou la magistrature n'a besoin que de 2 000. Mais les restes passeront aux aveux. Ils nous diront comment les tests s'est passé. Si. Et c'est à cette occasion que nous reviendrons à charge. Et que... Parce qu'on est sûr qu'ils vont dire des choses. Oui, parce qu'ils vont dire des choses. Et c'est maintenant, en fonction de ces témoignages, que nous reviendrons vers le Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. Maître Katende, on va terminer. Il nous reste 15 minutes. Alors, parlons de ces questions questions diplomatiques. Comment vous expliquez que le pays, le Congo, nous disons que nous sommes en guerre, mais nous continuons à garder l'ambassadeur du pays agresseur chez nous? Et l'ambassadeur en question prend part à des réunions parfois stratégiques de l'État. Est-ce que vous estimez que c'est un langage que l'on peut considérer comme un langage responsable, ou vous pensez que c'est la haute politique, c'est-à-dire la haute diplomatie? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis tout simplement perdu et étonné. De un, le président de la République dit que nous sommes agressés. Et l'agression, c'est en fait une infraction. Un pays au niveau du droit international qui agresse un autre. Je crois que c'est le niveau d'abus des relations internationales les plus élevés. Et le président de la République dit que nous sommes agressés. Et entre-temps, nous qui sommes agressés, nous sommes non seulement agressés, mais une partie de notre pays est occupée par une armée étrangère. Et entre-temps, nous ne rompons pas les relations diplomatiques, nous ne décrétons pas l'état de guerre, nous gardons notre ambassadeur en place. L'ambassadeur du pays agresseur est en place. Est-ce qu'il y a une cohérence? Moi, en tant que citoyen, je ne vois pas la cohérence. Mais je crois que les politiciens comprennent ce qu'ils font. Maintenant, imaginons que ce soit la République démocratique du Congo qui ait occupé Gisenyi. Vous croyez que le Rwanda va avoir la même attitude que nous? Et c'est pour ça qu'au niveau international, les gens qui font l'analyse de la situation du Congo ne comprennent absolument rien. Il y en a même ceux qui arrivent à dire, est-ce que ce pays est vraiment agressé? Parce que comment on peut te donner deux coups? Quelqu'un entre dans ta maison, te donne deux coups, tu ne répliques pas. Et tu gardes son fils chez toi. Et tu gardes son fils dans la maison. Et tout à l'heure, j'étais en train de penser à une maison dont une chambre est occupée par un ennemi. Et le matin, vous dites, le jour, vous dites à vos enfants, la chambre X est occupée par un ennemi. Ce type-là, nous ne voulons pas de lui. Et le soir, vous vous mettez autour de la table avec les fils de l'ennemi, vous causez. Et entre-temps, vous avez la possibilité de bloquer le couloir pour que cet ennemi ne sorte plus. Mais vous prenez la clé de la porte du couloir, vous donnez à l'ennemi. Ça ne marche pas. Et la réaction au niveau international, vous voyez que contre le Rwanda, on s'est arrêté qu'au discours.
Mais est-ce que nous n'avons pas évolué un peu, puisque là encore, l'Amérique a condamné le Rwanda? Parce que j'ai trouvé assez malhonnête, c'est que la position de l'Amérique était claire. L'Amérique a dit, et le Congo, et le Rwanda, qu'ils arrêtent de soutenir le M23. Je n'ai pas compris la logique, mais ici, on nous vend l'information selon laquelle l'Amérique a condamné que le Rwanda. Pourtant, l'Amérique a condamné et la RDC et le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas une insulte pour nous, quand même, de savoir que comment on peut nous accuser, nous, d'être l'auteur de nos propres problèmes? Monsieur Christian, je suis désolé de vous dire que les gens ne comprennent pas les enjeux. Aujourd'hui, une grande partie du budget du Rwanda est financée par le Congo, par les minerais, par l'exploitation illégale des minerais du Congo. Et derrière ces minerais, il y a beaucoup de multinationales de ces États-là qui condamnent le Rwanda, qui sont installés dans ce pays-là et qui transforment nos minerais à nous dans ce pays-là. Et vous pensez vraiment que le Rwanda peut par une simple déclaration quitter le Congo? C'est sa survie qui est en jeu. Ces gens se sont servis pendant, durant des années, des ressources de ce pays ici. Et que voir que le Congo contrôle tout l'Est, qu'il n'y a plus d'insécurité, c'est asphyxier financièrement le Rwanda. C'est connu de tout le monde. Et c'est pour ça que comme les États occidentaux sont convaincus que quand ils font ce genre de déclaration, ça va être relayé en boucle par les autorités de la République démocratique du Congo. Et le temps passe. Nous étions au Kenya. Nous étions en Angola. Nous étions aux Nations Unies. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Il y a eu des déclarations, mais il n'y a pas de changement. C'est pour ça que je suis toujours d'avis que la solution à la situation de l'Est partira du Congo. En faisant quoi exactement? En faisant quoi? Nous devons mobiliser notre peuple. Le peuple doit prendre conscience. Parce que ce que la communauté internationale ne veut pas, c'est de voir que tout le temps, les Congolais sont dans les rues, à Goma, à Bukavu, partout, en train de dire qu'il y a une injustice à l'égard de la République démocratique du Congo. Ça, ça les gêne parce que leur opinion intérieure va pouvoir poser des questions par rapport à ce qu'ils font ici. Mais comme il y a l'accalmie, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de protestation, tout le monde est calme. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et cette mobilisation ne doit pas être la question des ONG. Ça doit être la question du gouvernement. Vous avez vu, en Ukraine, la mobilisation faite par le président de ce pays-là est en train de porter des fruits. Il y a même des gens qui avaient fui, qui étaient à l'étranger, qui sont en train de revenir dans leur pays, se disant « je vais aller me battre ». Mais les gens s'engagent au combat. Pourquoi? C'est en voyant l'attitude de leurs autorités. Vous pensez que l'attitude du président de la République, par exemple, du Premier ministre, ne montre pas suffisamment qu'on est très engagé et qu'on est résolu à mettre terme à cette histoire? Non. Non, tout simplement parce qu'il y a des choses que nous souhaiterions qu'il décide. Renvoyer l'ambassadeur, rappeler notre ambassadeur, rompre les relations diplomatiques. Il n'y arrive pas. Vous n'êtes pas contre le fait que le chef de l'État se voyage et que, comme certaines personnes ont estimé, que si le chef de l'État peut prendre place à des magazines à l'étranger, s'il peut aller par exemple à Makutano ou s'il peut aller dans une activité quelconque, ça démontre à suffisance que la question de l'Est n'est pas une priorité. Vous pensez je ne peux pas aller dans ce sens-là parce que le président de la République, il n'a pas un seul problème à résoudre. Ouais. Voir la question de cette façon-là, c'est de dire que le président a été élu pour mettre fin. Non, il a été élu pour que le développement du Congo avance. Maintenant, moi, ma question, c'est de dire, à un moment donné, il faut que le président de la République se mette autour de la table avec ses ministres pour évaluer l'impact de tous ces voyages. Ça produit quoi? Sur le plan des investissements, sur le plan de la sécurité du Congo, quels sont les bénéfices que nous avons? Parce que les voyages du président de la République, ça coûte au budget de l'État. Et en contrepartie, qu'est-ce que nous avons? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. C'est à eux de répondre à la question et à un moment donné se dire, ça ne va pas. Ce qu'ils peuvent faire aussi, et c'est ce qui est en train de se faire, c'est l'attention à l'armée. Le président de la République a fait quelques nominations.
nous avons estimé que c'était bien fait et maintenant, nous voulons qu'il y ait un suivi pour que les gens qui ont été nommés fassent correctement leur travail. Alors, comment vous expliquez, on va terminer, que juste après l'élimination des généraux, il y a certaines villes qui ont été tout de suite récupérées, certaines positions de l'armée comme Achen Guerrero, comme Rumangabo, comme quelque part dans le territoire de l'Ituri, beaucoup de positions ont été renforcées par notre armée. Mais pourquoi seulement après l'élimination? Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi seulement après l'élimination? Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en intelligence avec l'ennemi. Ça se disait. Et le président de la République a bien fait d'avoir fait partir certains maillons de l'armée pour donner la possibilité à ce qui est en train de se faire. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, que notre armée était devenue une armée affairiste. Quand, par exemple, les hommes des troupes voient qu'à l'Est, les autorités militaires, au lieu d'être impliquées dans la guerre, sont dans les minerais. Et que des fois, ce sont les hommes des troupes qui sont envoyés pour récupérer les minerais chez X, l'argent chez Y. Et comme ça se fait souvent dans notre pays, quand ils rentrent avec les produits, ça peut être 10 000, 15 000, 20 000 dollars, 50 000 dollars, les chefs prennent tout, ils mettent dans son sac, ils partent. Lui qui a fait la course, on ne lui donne absolument rien. Vous croyez que quand la guerre va éclater, il va sacrifier sa vie? Il est démotivé. Il est démotivé. Donc, la détermination des chefs militaires a toujours de l'impact sur le comportement des hommes de troupes. Et donc, il faut que, à ce niveau-là, les réformes qui sont en train d'être faites puissent apporter vraiment des solutions. Mais est-ce que ça ne va pas nous reculer cette position où on nous demande carrément le dialogue? Et ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on nous demande le dialogue. Avec qui? Avec le Rwanda, avec parce que la position des Nations Unies, ils disent qu'il n'y aura pas de solution dans la guerre, il faut qu'on s'entende. Qui doivent s'entendre? On nous parle du Rwanda, alors que l'ONU et les Nations Unies, je veux dire l'ONU et l'Amérique, ne croient pas que le Rwanda, finance ou sponsorise le M23, mais ils nous demandent de traiter la question de M23 avec le Rwanda. Alors, je ne comprends pas personnellement la logique. Non, mais c'est une logique, je dirais, de fuite en avant. Ouais. Les Nations Unies ont échoué. La Belgique l'a dit. Mais est-ce que ça ne va pas nous arrêter finalement? Non. Avec les noms qu'on a déjà pris non, au niveau de l'armée maintenant. Non, je pense qu'il faut travailler sur l'armée. Ouais. Et ce travail ne doit pas être un travail circonstanciel. Ça doit être un travail avec une vision à long terme. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, la stratégie du Rwanda, c'est d'accepter d'aller partout pour dialoguer. Et sur le terrain, la situation reste stationnaire. Je vous ai parlé de Nairobi, le Rwanda était là-bas. Je vous ai parlé de l'Angola, le Rwanda était là-bas. Le Rwanda était disposé à parler, à mettre en exergue ce qui était convenu. Est-ce qu'ils l'ont mis? Mais entre-temps, qui sait ce qui se passe à Bunagana? Les gens sont en train de s'enrichir. Pendant 5 mois d'occupation d'une cité comme Bunagana, vous connaissez combien d'argent ces gens-là ont eu? Et cet argent leur permet d'acheter des armes. Oui. Parce que leur volonté, ce n'est pas de partir de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça veut dire en d'autres termes que c'est nous les Congolais qui finançons la guerre contre nous-mêmes. Et nous finançons le développement des autres pays. Oui. Nous finançons le développement du pays qui est en face agresseur de nous. Vous voyez? Donc, ces genres de choses, à un moment donné, ça décourage. Mais nous n'allons pas nous décourager pour autant, parce que nous aimons ce pays et nous croyons que nous avons tout intérêt à ce que les rapports des forces contre vis-à-vis du Rwanda soient en faveur du Congo. C'est pour ça que nous avions proposé une solution extrême, c'est de mettre tout simplement les murs à la frontière entre le Rwanda et le Congo. Et vous aussi, vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, bien sûr. Pas dans le sens d'empêcher les commerces ou les voyages entre les peuples, mais qu'on ait des entrées précises, des portes d'entrée précises où on contrôle les gens, on sait que tel entre et que tel sort.
mais on vous mettrait des rebelles ici qui vont faire tomber le mur, on vous dirait que c'est votre affaire congolaise, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Oui, pourquoi nous n'avons pas des drones? Pourquoi n'avons-nous pas des hélicoptères qui font la chasse la nuit? Voilà, pourquoi n'avons-nous pas toutes ces instruments? Voilà la bonne question. Oui. Et les drones coûtent combien? Oui, pourquoi le Congo n'en a pas? Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on apprenne qu'un ministre a été suspecté d'avoir détourné 2 millions de dollars, alors qu'il n'y a aucun drone qui coûte 1 million de dollars. Donc, avec 2 millions détournés d'un ministre, on pouvait acheter des drones, des hélicoptères, même si possible. Mais vous savez que, d'abord, le voyage du président de la République, quitter Kinshasa, aller à Mbujimayi, avec autant de personnes, ça coûte combien? Quand le premier ministre se déplace pour aller à Bukavu, avec autant de gens, ça coûte combien à la République? Est-ce que c'est rationnel? Pourquoi cet argent, on ne peut pas l'investir dans l'achat des drones pour sécuriser notre pays? Parce que là, on voit en temps réel, c'est les positions des ennemis, ainsi de suite. Mais pourquoi on ne le fait pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais nous le saurons. Merci beaucoup, Maître Katende. Encore une fois, félicitations pour votre nomination, merci. Votre élection, pas nomination, votre élection au poste du... C'est une élection. C'est une élection au poste du vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Mesdames et messieurs, on a passé 60 minutes de débat, d'échange sur trois questions principales. Le droit de l'homme a eu beaucoup plus de temps puisqu'il s'agit des droits fondamentaux, mais aussi la question de la sécurité et la question diplomatique. On a parlé de tout ça, vous avez compris. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci.